reste pas. T'es des collègues. Vous m'empêchez. Je te demande de rester à distance. Laissez-moi circuler. Ça fait 20 fois que je te le dis. Laissez-moi circuler. 20 fois. Et moi, ça fait 40 fois que je vous demande de me laisser circuler. Et vous sortez votre gazette. Non, vous devez me laisser passer. Je ne suis ni dans le cadre d'un contrôle, je connais mes droits, monsieur, ni dans le cadre d'un placement en garde à vue. Vous ne connaissez même pas la loi. Oui. Vous êtes censé la faire appliquer. Oui. C'est un peu buesque, non? Nous avons répondu. Eh bien, je n'ai pas resté ici sans vous donner un motif légal. Donc, vous êtes attention, vous pouvez circuler. Non, vous pouvez. Non, je ne veux pas se porter. Vous pouvez vous priver des mouvements, monsieur. Non, bon. Vous êtes. Eh bien, dans ce cas-là, vous portez atteinte à mes libertés. C'est tout aussi grave. Vous me laissez passer. Non, mais laissez-moi passer. Je ne gêne pas les gens, c'est vous qui les gênez. Laissez-moi passer. Non, mais ça devient insupportable. Vous me laissez passer. C'est bon, maintenant je veux passer, monsieur. C'est bon. Vous me laissez passer. Je ne force pas le barrage. Je vous demande de me laisser passer. Je vous demande de rester là, monsieur. Restez là. Mais laissez-moi passer, c'est juste hallucinant. Je sais que si tu forces, ça devient une rébellion. Mais je ne force pas. Mais rébellion, dans quel cadre? Je ne me rebelle pas. Je demande à ce que l'exercice de mes droits soit plein et entier. Juste, tu forces le passage. Non, mais je ne force pas le passage. Mais il n'y a pas de. Si y a pas de... Et je veux dire que je ne force pas le passage puisqu'il n'y a pas de passage. Mais c'est discriminatoire. Monsieur. Vous laissez déplacer des personnes et d'autres non. Ce n'est pas un barrage. Un barrage, c'est quand personne ne peut passer. Citron, et en vertu de quel motif? Donc c'est discriminatoire. Citron, on laisse passer des personnes qui n'ont pas la tête d'une personne qui a des idées politiques dans ce pays, et les autres, oui. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des ordres auxquels vous obéissez? Est-ce que vous êtes rentré dans la police pour faire respecter la loi, qui parfois d'ailleurs est largement injuste? Non, même pas. Il y a vos RIO qui sont là, il y a des avocats qui les ont notés, et croyez-moi, il y aura des poursuites, parce que ça ne se passera pas comme ça. Vous n'avez pas à nous intimider, à nous violenter, à cracher sur nos droits. Ça vous regarde? Ça ne vous regarde pas. Vous avez contrôlé mon identité. Justement, la justice se saisira de ce qui vous, vous avez menacé par contre. Ça va se finir très mal devant la rue. Vous avez menacé. Ça va se finir très très mal devant la justice. Vous avez menacé. Ça va se finir très très mal devant la justice. Allez, c'est pas très mal. Allez, riez, riez, on verra qui rira bien mieux. Bonne fin de journée. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée.